Aujourd'hui, Karatziak Télé vous amène sous un temps tout britannique pour la dernière présentation de chez Jaguar. Nouveauté, bien sûr, le nouveau XK, on va vous le présenter rapidement, mais surtout une nouvelle motorisation, un 5 litres, qui est disponible en 385 chevaux ou en plus de 500 chevaux et qui remplace le Cali 2. Alors ce nouveau 5 litres est disponible sur le XK. Pour cette année, ce XK évolue avec notamment, vous voyez, un nouveau bouclier avant. Vous avez également des feux à diode à l'arrière et aussi des nouveautés à l'intérieur. Mais il est disponible, et ça c'est une grande nouveauté, sur la berline XF. Donc XK et XF seront les deux versions disponibles pour ce moteur 5 litres. On va un petit peu rentrer dans le détail. Alors ce nouveau bloc 5 litres remplace le 4 litres 2. Il est disponible sur le coupé XK, mais également sur la berline XF. C'est un moteur qui dispose d'une puissance de 385 chevaux et d'un couple de 515 Nm, donc un moteur très coupleux. C'est un V8, hein, bien évidemment, comme le 4 litres 2. Il a l'avantage d'avoir une double personnalité, selon nous, très discrète au premier plan, alors quand vous conduisez très tranquillement. Ce moteur est coupleux, il ne se fait pas trop entendre, plutôt discret, bien associé à une boîte automatique à 6 rapports très onctueuse, où on ne sent pas les changements de rapport, donc ça c'est vraiment un côté très positif. En revanche, si vous décidez vraiment d'appuyer sur le champignon, d'appuyer sur l'accélérateur, et vous allez découvrir une autre personnalité, une personnalité beaucoup plus sportive, on peut dire beaucoup plus radicale. Bon, ça correspond mieux au XK que à la XF, mais c'est vrai que dès que vous appuyez sur l'accélérateur à partir de 3500 tours minutes, ce moteur se montre beaucoup plus rageur, on entend une sonorité très importante qui est très agréable. Regardez par exemple ici. Donc c'est assez feutré dans la XF, mais c'est plus le cas dans le XK. Et c'est vrai que ça correspond bien, on va dire, à la mentalité de Jaguar, à la fois des berlines assez statutaires, assez confortables, mais également des coupés relativement performants et très technologiques. Donc c'est ce côté-là un petit peu, on va dire, Dr Jekyll et Mr Hyde qui nous a séduit. Il faut retenir aussi que ce 5 litres va équiper prochainement également la XKR, donc une version suralimentée dont la puissance est de 510 chevaux. Au final, on apprécie bien sûr ce nouveau V8 de chez Jaguar. Ce 5 litres est particulièrement coupleux. On apprécie notamment sa sonorité, vraiment rock, et qui caractérise bien un mélange de puissance mais aussi de douceur. Il équipe à la fois le XK et la XF. Ce moteur, bien sûr, comme tous les moteurs de cette cylindrée, a un coût d'utilisation. Comptez à peu près une moyenne de 18 300, c'est ce qu'on a fait durant notre essai, mais aussi un coût à l'achat. Au niveau de l'achat sur un XF, qui sera le véhicule le plus vendu de chez Jaguar cette année, ça commence aux environs de 68 000 euros. Si vous optez pour le XK, il faudra compter 97 000 euros. Entre les deux véhicules, franchement, nous, on pense que ce 5 litres va plus au XK, parce que c'est un coupé, mais il va quand même relativement bien à la XF.